Notamment, l'Association pour le développement durable a organisé une campagne de sensibilisation sur les mangroves ainsi que de nettoyage, et ce en collaboration avec le conseil de village de Bois des Amourettes. L'événement s'est tenu dans le cadre de la Journée internationale pour la conservation de l'écosystème de la mangrove, célébrée chaque année le 26 juillet. Les mangroves sont un groupe de petits arbres qui poussent dans les zones côtières. Situés sur la délicate frontière entre la terre et la mer, ce sont les seuls arbres capables de prospérer dans l'eau salée. Leurs racines emprisonnent les sédiments, stabilisant les rives et empêchant ainsi l'érosion. Elles fournissent également un habitat essentiel à des milliers d'espèces. Le but de cet atelier est de sensibiliser les habitants à l'importance de protéger les mangroves. C'est une plante vraiment important, il y a une source de nourriture pour un poisson, étant donné que quand ça fait tomber, les temps pourris, il y a une source de nourriture. Les empêchent par une grosse vague viennent vers la terre. En d'autres mots, ils protègent nous la place contre l'érosion. Et aussi, important, ils absorbent le dioxyde de carbone 5 fois plus que la forêt qui trouve sur la terre. L'une des plus grandes menaces pour les mangroves est la pollution. Pas de saleté, surtout déchets plastiques. Sur l'effet néfaste aux mangroves, comment vous trouvez une racine de mangrove. Au fait, les mangroves vous respirez à travers votre racine même. Et quand nous causons plastique, de nos jours, nous causons microplastique. C'est-à-dire, nous avons un microplastique, un poisson qui peut manger ça, il consomme ça. Et aussi, ça peut être absorbé dans ma plante. Les habitants de la région se sont mobilisés pour aider à nettoyer ces barrières naturelles vitales pour la biodiversité. Nous avons gagné beaucoup de mobilisation et beaucoup de gens peuvent venir depuis de nouveau pour mettre ça là. Mais ça, poser là, c'est un poser bien important. La mangrove est important pour les pêcheurs, pour nos écosystèmes, pour les poissons, tout ça. Et nous sommes bien contents de dire que nous recevons ce projet là ici avec nous. La protection des écosystèmes, comme les forêts de mangroves, permet non seulement de préserver la biodiversité, mais également de maintenir en vie une ressource vitale pour les communautés locales.